Три полоски, три по три полоски. Табаски совки, Адидас кроссовки. Три полоски. Тусовки, Адидас кроссовки. Три полоски, три по три полоски. На штанах полоски, три зачетные соски. Три полоски, три по три полоски. Мы не боимся, в углах не таимся. Три полоски, три по три полоски. Здесь все тусуют, под хардбас танцуют. Три полоски, три по три полоски. Три полоски. Tout le monde, c'est Meme, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation, donc un peu spéciale. Donc aujourd'hui, vidéo présentation de l'ISS. Donc je vous retrouve pas tout seul, je vous retrouve en compagnie de Shang. Salut les gars. Qui plus est m'a pas mal aidé pour faire l'IS7 en fait, qui m'a pas mal avancé pour le farmer, parce que comme je travaillais, j'étais pas sûr de pouvoir le faire. Et sinon il l'aurait pas eu à temps. J'aurais peut-être eu, mais j'aurais dépensé de l'argent. Et je vous retrouve en compagnie de Vili. Salut. Voilà, Vili, notre suédois officiel. Suédois, suisse. Finlandais. Ah oui, c'est vrai, finlandais, suisse, français. Notre homme de la multinationalité. Donc aujourd'hui, comme je le disais, je vous retrouve pour la vidéo présentation de l'IS7. Donc IS7, char de l'event, donc construction là, de cet été. Donc avec également donc le T-34E que je ferai une présentation mais ultérieurement. Donc l'IS-7, le fameux char que tout le monde dit cancer, mais qu'il l'est un peu, c'est vrai, j'avoue. Mais il est pas mal. Donc on va commencer tout de suite par l'armement. Donc on commence par la base. Hein. Donc l'armement, un canon 230mm C-70. Boy. Ah, je suis en train de voir qu'il y a eu des mises à jour d'ailleurs au niveau de l'affichage. Maintenant, il y a plus de données. Donc, équipé de 30 munitions, mais également d'un autoloader de 7 coups. Donc, on peut voir que les 7 obus se situent ici dans l'autoloader. Donc, l'autoloader qui a une cadence de tir, donc enfin, qui a un temps de rechargement de 7,5 secondes. Donc, les deux chargeurs derrière qui permettent de recharger assez rapidement l'autoloader. Hein. Mais on verra ça après. Donc, l'autoloader 7 coups. Donc, 7 secondes 5 de reload. Les 7 obus se situant ici. Les têtes d'armement des obus se situant juste au-dessus, vous voyez. Merci Villiers.
Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, l'autoloader de 7 coups, hein, ce qui fait que ce char est assez cité, assez cheaté, pardon. Donc 7 secondes 5 pour un 130 mm, c'est assez énorme. Donc de base dans l'autoloader, comme je disais, donc 7 coups d'armée, comme vous voyez, c'est marqué horizontal guidance 180 degrés. Plus ou moins 180 degrés. Alors ça, je vois pas trop ce que c'est la guidance. C'est juste tourelle complète quoi. C'est par exemple sur ETD, t'as plus ou moins 15 degrés. Ok, d'accord. Degrés, bah, tu fais le tour complet quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Oui, je vois ce que tu veux dire. Enfin, logiquement, ce serait 360, mais bon, c'est pas grave. Ouais, bah c'est plus 180 quand tu vas à droite, moins 180 quand tu vas à gauche. Ouais, ok, d'accord. Donc, pour ce qui est du guidage vertical, donc on a moins 3 en dépression, bah logique, c'est un russe. Qu'est-ce que je vais vous dire, hein, c'est un russe, c'est normal. Il n'y a pas de dépré. Plus 15 d'élévation, donc c'est pas trop mal. 15 d'élévation, c'est, on va dire que c'est assez standard, mais ça vous permet quand même de tuer un ennemi s'il y en a un au-dessus d'une butte, au-dessus de vous ou quoi. Donc c'est pas trop mal, c'est plutôt bien même. Pour ce qui est de la vitesse de ciblage, donc on a une rotation de 16,7 degrés seconde. Donc pour une tourelle aussi blindée et aussi lourdement armée, entre guillemets, je trouve que c'est plutôt très rapide. Surtout pour un char lourd, je vois l'IS-3, elle est plus lente que ça, le T-10M c'est pareil. C'est des tourelles qui sont plus lentes. L'IS-6, c'est pareil, il me semble qu'elle est plus lente. Je veux bien que tu ailles vérifier, Shank, si tu peux. Pour info, le ciblage sur l'IS-7, au maximum, tu peux monter à 20 degrés secondes. 20 degrés secondes, ouais, donc en gros, t'es quasiment à fond en une seconde. Pour l'IS-6, maximum, t'es à 14 degrés secondes. Ah, d'accord, ok. Mais la vraiment 14, maximum, hein, avec l'équipage équipage à fond, charisme et en as. Ouais, donc ok, d'accord. Ouais, donc pour ce qui est de la vitesse de rotation, ouais, faudrait que je vois moi sur l'IS7. Moi, je suis à 18,8. Sur l'IS7? Ouais. Ok, d'accord. La 14,7, elle monte ultra lentement, hein, par contre. Ouais, après, bah la 14,7, on en parlera après. Donc, non, c'est la 14,5, il me semble. Hein. Ouais. 14,5, ouais. Donc, pour ce qui est de la vitesse de ciblage verticale, donc l'élévation du canon, 2,3 degrés seconde, donc ça va, c'est plutôt bien. Ça il monte quoi, voilà, après c'est en game, c'est en fonction du moment, est-ce que vous allez réussir à vous en sortir ou pas, ça c'est à vous de voir. Donc pour ce qui est du zoom, même le zoom il est affiché maintenant, même l'optique est affichée. Donc le zoom il est 3,5 à 7. What? J'ai pas compris là par contre, c'est marqué 3,5 fois et 7 fois. Je sais pas, c'est bizarre. C'est de base. En fait, de base, quand vous allez zoomer. Okay, ouais. Ouais, tu vois. Ok. Donc voilà. 3,5 normal et x7 en zoom à fond. Quand tu zoomes. Ouais. Ouais, c'est ce que. Quand tu zoomes en vue sniper. C'est ce que je pensais, ouais. Ok, voilà. Donc on a fait le tour. Donc on va passer aux armements secondaires. Donc une mitrailleuse de 14,5, donc une KPVT, exactement la même qu'il y a sur le toit. Sur le toit, c'est exactement la même, c'est une KPVT aussi. Sauf que celle-là, en fait, elle se situe au-dessus du canon. Donc c'est une 14,5, pas très efficace les KPVT en termes de perforation. Par contre, contre les chars légers, voire quand vous tombez en mixed, donc contre des objets, ça le fait le taf. Contre des chars style entière ou quoi, c'est vachement utile aussi. Des chars légers, ça peut passer. Le RU, je sais que ça passe pas trop bien. Sauf quand vous êtes de flanc, ça peut passer. Donc 2 KPVT, 1, 2, 14, 5. Vous avez également... 4. RU tu passes pas, hein, même. RU tu passes pas en BT5 de face, tu lui passes pas non plus. Non mais je te parle de flanc avec la KPVT. Ouais, sûrement tu passes. Donc vous avez 4 mitrailleuses 2762 RP46 machine gun. Donc 4 qui mitraillent vers l'avant, 4 qui mitraillent vers l'arrière. Alors les mitrailleuses sur l'avant sont modélisées. Donc vous voyez que là, d'ailleurs en parlant de ça, vous voyez que la deuxième KPVT n'est pas modélisée. De ce fait, elle est indestructible. Vous ne pouvez pas la perdre. En fait, vous pouvez la perdre uniquement si vous perdez le commandant. Elle peut pas être détruite. La KPVT au-dessus du canon peut être détruite et en vous empêcher de tirer, donc ils peuvent casser la culasse ou le canon. En l'occurrence, celle qui est sur le toit, elle n'est pas destructible. C'est pas possible de la détruire. À moins que vous perdiez votre commandant, c'est pas possible de la détruire. Donc on en revient à nos 762. Donc une 762 de chaque côté du char, celles-là sont fixes, ne bougent pas, elles visent que dans l'axe où elles sont placées. Idem pour la... Ouais, dans l'axe de la caisse, exactement. Idem pour la tourelle, donc en fonction de l'endroit où vous allez incliner votre canon, les mitrailleuses vont tirer tout droit, donc tout droit vraiment fixé dans l'axe du canon, c'est pareil. La KPVT sur le toit est mobile, c'est la seule mitrailleuse mobile sur ce char, qui peut tirer à 180 degrés, 360, enfin bref, vous pouvez tirer partout avec. Et les deux... C'est indépendante du canon surtout, en fait, ouais, c'est ça. Et qui a un site indépendant. C'est ça. Donc en gros, elle est autonome, elle se déplace où elle veut, elle tire où elle veut. Et vous avez les deux mitrailleuses de 762
à l'arrière, donc pareil, qui sont indestructibles, qui sont littéralement indestructibles car elles ne sont pas modélisées. Et elles tirent exactement pareil que les mitrailleuses à l'avant, sauf que celles-là tirent vers l'arrière, elles tirent dans l'axe de la tourelle. En fait, elles ne vont pas bouger, elles vont uniquement tirer dans l'axe où va être placée la tourelle. Après, quand vous... Tu peux, t'as le contrôle horizontal de la tourelle quand t'as le contrôle des mitrailleuses arrière. T'as le contrôle horizontal de la tourelle quand t'as les mitrailleuses arrière. Tu sélectionnes les mitrailleuses arrière. Oui, tu peux, oui, ok, d'accord. Oui, bah, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. En fait, les mitrailleuses à l'arrière, quand vous allez les utiliser, va falloir, donc déjà, un, assigner une touche pour pouvoir les utiliser. Parce que si vous tournez la tourelle, en fait, et vous essayez de tirer en même temps que vous avez le canon sélectionné, ça va être le bordel. Donc, si, quand vous sélectionnez les mitrailleuses, en fait, vous allez pouvoir tourner la tourelle en fonction des mitrailleuses, pas, enfin, le curseur va s'assigner aux deux mitrailleuses et non au reste du chat, en fait. Elles vont être indépendantes. Enfin, voilà. En fait, c'est dans l'option, donc dans les commandes, dans la partie char armement, il y a sélectionner les mitrailleuses. Une fois la touche désignée, en fait, quand vous êtes en bataille, vous utilisez cette commande. La première action sur cette commande, vous sélectionnez la KPVT qui est montée sur le toit, sur le pylône. Bah, on verra ça. Au pire, je montrerai ça en game tout à l'heure. Je montrerai ça en game. Action, ouais, j'explique vite fait. Du coup, la deuxième action, ça sélectionne les deux mitrailleuses de caisse. Et la troisième action sélectionne les deux mitrailleuses à l'arrière de la tourelle. C'est pour ça qu'il faut appuyer. Vous montrera en... Ouais. Faut appuyer plusieurs fois. Vous voyez, par exemple, sélection de l'arme principale, ça c'est le canon. Quand vous allez appuyer sur 1, je vais avoir que le canon de sélectionné. J'aurai uniquement le canon sélectionné. Et. Non. Même. Les coaxiales du canon, ouais. Les trois. Tu n'auras pas la KPVT sur le toit. Les trois coaxiales du canon, ouais. Et les coaxiales du châssis, il me semble pas qu'elles fonctionnent. Non. Ça sélectionne pas les coaxiales du châssis. Donc, comme je disais, hop. Donc, première, c'est les trois coaxiales du canon et le canon. Deuxième, c'est uniquement les mitrailleuses. Non, deuxième, c'est les armes. Deuxième, c'est tout. En fait, non, le deuxième, ça sélectionne tout sur l'ISF. En fait, quand vous allez cliquer sur deuxième, ça va revenir à l'état de base. Ça va faire comme si vous réinitialisez, en fait, et ça va désélectionner. Vous allez tout resélectionner, en fait. Vous allez avoir et le canon et les mitrailleuses. Après, l'arme secondaire, c'est pour tout ce qui est char à deux canons, genre B1-10 ou... ou M3-Li, et ça. Et voilà, exactement. Et tout ce qui est donc sélectionner les mitrailleuses, la première fois que vous allez appuyer en fait pour sélectionner les mitrailleuses, vous allez sélectionner la KPVT. La deuxième fois, vous allez sélectionner les mitrailleuses de châssis vers l'avant. Et la troisième fois, vous allez sélectionner les mitrailleuses de tourelle à l'arrière. Donc les deux petites mitrailleuses là qui sont pas modélisées. Voilà. Donc j'ai fait tour du moteur, j'ai fait tour de l'armement. Donc pour ce qui est du moteur, c'est un moteur à 929 chevaux à 1850 tours minute. Donc je peux autant vous dire que vous avez de la puissance, hein, pour vous déplacer. C'est ce qui fait une. C'est un moteur de bateau, exactement, avec beaucoup de soupapes. 48. 48, ouais, pour être précis, qui sont bien chiottes à construire d'ailleurs. Donc vous avez vitesse maximale, donc sachant que je ne l'ai pas full. Hein, vitesse maximale en marche avant, c'est 60 km/h. Donc vous avez 8 vitesses en marche avant et vous avez 2 vitesses en marche arrière, donc vous faites du moins 23 km/h. A savoir que sa mobilité est une des forces de l'IS-7 et franchement... C'est une mobilité d'un char médium pour un char lourd. C'est ça, vous avez la mobilité d'un char médium pour un char lourd. C'est seulement en Italie. Hein. Parce que les autres maps, t'arrives jamais à avoir 160 km/h. Non, ouais. Italie, c'est normal parce que la map est faite différemment au niveau du codage. Je viens de voir, c'est titre d'information sur tous les chars. Maintenant, il y a la stabilisation de l'arme qui est indiquée si on passe au niveau de la culasse. La dernière ligne, ça dit, s'il n'y a pas marqué, c'est que ça l'est pas. Sinon, ça dit stabiliser sur deux axes ou sur un axe. Ok, d'accord. Ah, je vois pas ça. Je l'ai pas. L'IS-7, il est pas, mais par exemple, sur le 906 ou sur la ZSU-23. Ouais. Quand tu passes sur la culasse, ça te dit stabilisateur d'armes, deux axes. Ok, d'accord. Et pareil, okay, d'accord. Tu regardes parfait. L'horizontal ou le vertical et ça te dit mécanisme de rotation stabilisé, oui ou non. Ok, d'accord. Bon, c'est où que tu voyais le zoom, Shang? Attends, par contre... C'était sur l'optique. Attendez, les gars. Donc du coup, je vais faire les munitions au pire. Regardez ça de votre côté. Donc pour ce qui est des munitions, donc vous n'avez pas de munitions à rechercher, hein, ça c'est cool. Par contre, bien évidemment les FPE et tout ça, bon je l'ai pas full du tout, je fais la vidéo tout de suite parce que voilà, comme je bosse et tout, et si je veux la sortir demain c'est un peu compliqué. Donc pour ce qui est des grenades fumigènes, vous avez deux smoke barrels, donc les deux smoke barrels qu'il y avait à looter en fait pendant l'event, qui vont se situer exactement ici. Donc ça fait comme sur le T-4400 en fait, ils apparaissent pas tant que vous les avez pas et ils apparaissent une fois que vous les avez. Les deux espèces de trucs là, ici et ici, en fait c'est pour mettre les smoke barrels, et quand vous allez avoir les smoke barrels et que vous allez appuyer sur la touche pour les smoke barrels, en fait vous allez, le smoke barrel va tomber et va faire un énorme nuage. Ça va faire comme sur le T-4400 pour ceux qui voient, mais je pense que...
sort tes 4400 au pire. C'est assez explicite. Ouais, bah au pire, tu vas me dire, il est dans mon deck. Voilà, vous voyez, ils sont exactement comme ça, et quand vous allez appuyer, en fait, l'obus, enfin le, non, pardon, pas l'obus, le smoke barrel va tomber, et ça va faire un nuage de fumée, en fait, sur vous-même. Un peu comme avec le Panzer 4 F2, pour ceux qui voient aussi, la smoke, en fait, explose à l'arrière, et ça vous fait un nuage de smoke. C'est exactement pareil, c'est le même principe. Donc, pour ce qui est des obus, je le disais, donc, on tire de la PCBC, donc la BR-482B, donc qui perd 265, 260 et 250 mm respectivement à 10 mètres, 100 mètres et 500 mètres à 0 degré. Après, sur les angles, forcément, ça diminue. Je vous laisse regarder en plus en détail pour ceux qui veulent. Mettez pause sur la vidéo. Vous avez de la charge explosive à l'intérieur. Donc l'équivalent TNT, il est de 195 grammes, donc 200 grammes de TNT. Et la masse de l'explosif est de 115 grammes. Donc autant vous dire que quand l'obus perce, il fait super mal. Alors, il va qu'à 900 mètres secondes. Mais en même temps, l'obus fait 33 kilos. Donc forcément, quand vous touchez un truc... Et en fonction, si vous le touchez bien, en fait, bah, il n'y a plus rien. C'est clair et net. Un IS-6, si vous le tirez, il n'y a plus rien. Un AMX-30, il n'y a plus rien. Un Léopard, il n'y a plus rien. Un STB, il n'y a plus rien. Un Tigre 2, bah, il ne vous fait pas de dégâts. Un Tigre 205, il peut vous faire des dégâts si c'est bien joué et qu'il connaît les weak spots. Et on les verra tout de suite après. Un Panther 2, il vous fera pas de dégâts sauf si c'est bien joué pareil et qui tire vraiment le weak spot qu'il faut. Mais par contre, vous les désintégrez. Hein. Alors, les tigres, tirez la tourelle, toujours tirez la tourelle sur les tigres. Les Panthères, je vous conseille de tirer la tourelle même si dans le châssis ça peut passer. Sauf sur le Panther 2, il me semble. Le Panther 2, je crois que ça ne passe pas. Mais il me semble que sur tous les autres Panthères, en fait, ça passe. Donc vous allez clairement les one shot d'une violence surhumaine. Et puis voilà. Donc on va tout de suite parler donc vite fait des membres d'équipage, donc je voulais vous montrer. Donc un membre d'équipage à l'avant, le conducteur, les munitions stockées donc sur les côtés du char et dans l'autoloader. Donc je vous conseille d'en enlever. Shank vous le dira aussi, hein, 15 munitions c'est largement suffisant pour ce char. J'en prends 14. Prenez pas plus de 15, moi j'en prends 15, mais prenez-en pas plus de 15 parce que franchement ça servira à rien, c'est nettement suffisant 15 munitions. Donc vous avez le conducteur tout seul à l'avant à côté des munitions. Vous avez 4 membres d'équipage dans la tourelle, et ça, c'est chiant, parce que vous avez 4 membres d'équipage dans la tourelle, et que si vous prenez un mauvais obus, alors, vous allez voir, déjà, un, vous allez prendre très souvent la culasse. Hein. Si on vous tire à la ITFS, vous allez prendre très très souvent la culasse. Ça, c'est très pénible. Donc, le tireur qui se situe sur la droite du char, le commandant à gauche, et derrière, c'est deux chargeurs. Donc, améliorer les chargeurs, vous allez me dire, améliorer les chargeurs, en termes de compétences, ça sert à rien. Non, ça sert pas à rien parce qu'en fait ça permet que les chargeurs rechargent plus vite votre autoloader. Vous allez me dire ça améliore pas le temps de reload. Bah en fait si. Parce que vous voyez quand vous tirez tous vos obus dans un autoloader, après vous avez un rond rouge et vous pouvez plus tirer. Et ben faut recharger l'autoloader. Et ben le fait d'améliorer vos chargeurs permettra que votre autoloader se recharge plus vite que si vous les aviez pas améliorés. C'est pour ça que même moi j'ai amélioré le rechargement de l'arme en fait à fond. Sur les chargeurs. Et je vous conseille de faire de même parce que sur le, par exemple si vous jouez le Ren 40 tonnes ou l'IS-7, c'est ultra pratique. Surtout chez les Français, c'est incroyable. Pour ce qui est des membres d'équipage, on a fait le tour. J'ai peur d'avoir zappé un truc, mais non. Donc c'est bon. On va passer tout de suite au niveau du blindage, la partie la plus importante du char entre guillemets. Donc pour ce qui est du blindage, je vous dis clairement, ce char c'est tout simplement insane. Il est vraiment insane, enfin c'est hallucinant. Si vous jouez allemand, je pleure pour vous les gars, clairement. Je pleure pour tous les mecs qui jouent allemand dans cette vidéo. Parce que les chars allemands, vous ne ferez strictement aucun dégât. Les Tigres 2, les Tigres 205 peuvent faire des dégâts. Les Panthères 2, s'ils savent très bien tirer, vous pourrez faire des dégâts. Et encore, faut que vous ayez de la chance que ça bounce pas. Donc on va voir tout de suite, sans plus tarder, le weak spot. Donc pour ce qui est de la plaque frontale, donc du bas de caisse, 270 mm, enfin 260, ouais, 265, 260 mm en moyenne, donc ne tirez surtout même pas là, enfin c'est même pas la peine d'y penser. Là pour l'instant je parle des obus rigides, donc tout ce qui est APCBC, APHE, APHEBC, voilà. On parlera des ITFS et des HESH et tout plus tard. Donc... Ne tirez surtout pas là, ne tirez pas non plus à l'avant parce que vous avez autant de blindage qu'un foch, voire plus, donc vous dépassez les 340 mm. C'est même pas la peine de tirer la plaque avant. La plaque du conducteur, vous y pensez même pas non plus, ça sert à rien, c'est blindé à plus de 400 mm, vous n'allez rien faire. C'est surtout incliné à près de 80 degrés, donc ça bounce sera de toute façon. C'est ça.
Je parle également pour les gens qui jouent IS7 contre IS7 parce que dernièrement on tombe beaucoup sur des mixed et je comprends les gens qui pleurent en tombant sur des mixed. Donc au niveau de la tourelle, vous pouvez tirer. Je vous compte. Alors, en dessous du canon, c'est faisable. Ça se fait si vous triez. Si un IS7 contre un autre IS7, ça se fait très bien. Un Tigre 2, vous n'essayez même pas sous canon, enfin ça va pas passer parce que votre obus en fait bah il va tout simplement bounce, c'est trop troll bounce. Le fait que l'obus en fait de l'IS7 passe, c'est qu'il est gros et qu'il est lourd. Du coup il fait qu'en fait il arrive à atteindre cet endroit. Vous avec votre obus de Tigre 2 vous allez sûrement bounce. Après vous allez peut-être réussir à passer, hein, je dis pas le contraire. Hein. Mais il y a plus de chances que vous bouncez que vous passez. Donc au niveau de la tourelle, vous y pensez même pas. Regardez, à l'avant c'est blindé à plus de 260 mm, même sur le plus petit angle c'est du 260, c'est vous passez d'un millimètre à l'autre, ça passe de 260 à 290, vous y pensez même pas, c'est même pas la peine d'y penser. Alors, pour ce qui est du mantelé, c'est pareil, vous y pensez même pas, ça sert à rien. Si vous avez un IS-7 en face de vous, je vous conseille de faire directement le canon, parce que sinon il va vous défoncer la gueule, tout simplement. Ici, vous voyez, regardez, 242 mm, pouf, 260, 285, 350. Vous oubliez. De face, je vous conseille de tirer les weak spots. Donc les weak spots les plus connus sont le tourello. Donc ici, vous voyez, blindé à 154 mm. Et ici également blindé à 154 mm. Donc le tourello, hein, pas très blindé. Ça peut être un bon weak spot, ça peut passer. Honnêtement, je vous conseille de tirer là si vous avez de la chance. Également, l'optique tireur peut être pas mal. L'optique tireur, ouais, alors. C'est ce que j'allais dire. Le weak spot que j'ai trouvé donc récemment personnellement aussi, en analysant un peu le char, c'est ici. Le seul problème de ce weak spot, c'est que l'ennemi, faut qu'il soit bien en face de vous. Ça fait un peu comme le Moss en fait. Le Moss, pour le percer de face, ça fait un peu comme avec le Lorraine. Le Lorraine, quand vous voyez un Moss de face, vous êtes obligé de vous mettre bien bien en face de lui, bien en face de sa tourelle. Bien, enfin, bien en face de son mantelet. Le problème ici c'est que vous êtes vraiment obligé de vous mettre bien bien en face et que l'ennemi soit bien en face de vous pour que ça perce. Donc je sais pas, je vais faire une petite vous verrez là sûrement sur la petite vidéo pour que ça perce. Faut vraiment qu'il soit bien en face parce qu'en fait c'est qu'à 150 mm, voire 170. Et franchement ça passe bien. Je sais que personnellement je tire ce weak spot maintenant parce que ça one shot les IS-7 et c'est ultra pratique. Franchement ce weak spot est juste extra. Problème de l'IS-7, un gros point faible de l'IS-7, outre les quatre membres en tourelle, c'est surtout que les chargeurs et tireurs, enfin, ils sont dos à dos. Les deux chargeurs tournés vers l'arrière de chaque côté et tireur et commandant tournés vers l'avant de chaque côté. Du coup, dès qu'il y a un tir qui passe dans la tourelle, systématiquement, il y a au moins deux mecs qui sont morts. Ouais, c'est ça, voilà. Bah, ils sont alignés, donc oui, forcément, c'est, voilà, c'est ils logique. Sont alignés, donc, y en a un qui est... les deux, ils y passent. Dès qu'il y a un tir qui passe dans la tourelle, il y en a au moins deux de morts. Alors, petite notification, cette vidéo sera en deux parties. Hein. On fera la partie présentation et la partie gameplay. Je vais la faire en deux parties parce que là, ça va durer trop longtemps, sinon il y a beaucoup trop de choses à dire sur l'IS-7. Donc, je vous conseille de tirer Sweet Spot si vous êtes contre un IS-7 avec votre IS-7. Je vous conseille clairement de tirer ici. Pareil pour Tigre 205. Tigre 205, ici, vous allez one-shot. Panther 2, ça peut passer, il me semble. Tigre 2, ça peut passer si vous vous débrouillez très bien. Mais ici, Tigre 2, franchement, j'en ai jamais vu des jumes me percer, donc je peux pas vous dire. Alors, maintenant, on va parler des obus qui se décomposent. Donc, les obus ITFS, les obus Esh et les obus Hit, tout court. Donc, les obus ITFS, Esh et Hit, donc notamment la ITFS et la Hit, tout court, vous tirez la tourelle, vous tirez la tourelle, vous tirez ici, vous cherchez même pas à réfléchir, vous tirez juste au niveau du de la tourelle ou de la culasse, c'est pas une bonne idée, vous tirez sur cette partie là parce que vous allez soit faire le tireur
obligatoirement soit faire le tireur, soit faire la culasse. Et je vous conseille clairement de tirer ici, parce que si le gars il a plus de culasse, et bah il est niqué. Et la culasse est assez longue à réparer vu que c'est un canon d'autoloader. C'est un canon d'autoloader. Donc vous allez soit faire le tireur sur la culasse, je vous conseille clairement de tirer ici. Après, si vous avez une meilleure ITFS et que vous êtes sûr de vous, vous pouvez essayer de tirer le bas de caisse. Le truc c'est que les munitions sont quand même un peu loin dans le bas de caisse, donc ça risque d'être chaud. Si vous avez une hit, je vois pour la MX-40, une bonne hit, vous pouvez, je pense, tirer ici. Donc juste à cet endroit-là, là. Vous voyez là où c'est blindé à 350 mm. Au niveau du feu, vous tirez au niveau du feu, vous allez avoir des munitions derrière, et logiquement, ça a des chances de péter. Ça a pas mal de chances de péter. Après, si le mec est full obus, parce que bien évidemment, si vous enlevez des obus, ça enlève des obus dans le châssis, et ça les met plutôt à l'arrière du char au niveau de la tourelle. C'est logique. Non, les obus qui restent sont au niveau du pilote à l'avant. Ah bon? C'est-à-dire ceux Du qui sont au conducteur? milieu de la caisse. Ouais. Ah, il me semblait pas. Les obus qui restent, ils sont à côté du conducteur. Et si l'ISZ, il est anglais, et t'arrives à passer la plaque qui est anglais, tu vois, de face, Ouais. là, si tu passes, c'est le one shot. En C'est une BMP1, munition c'est le one 9 shot fois à sur chaque 10, ouais, fois. à ce Ouais, moment-là. donc en gros, c'est ce que je dis, faut tirer au niveau du feu, ou moi, vous voyez, juste au-dessus du crochet. Vous tirez soit au niveau du feu, soit au niveau du crochet, bah, parce que moi, tu vois, je pensais que les munitions allaient se stocker à l'arrière, j'ai pas fait gaffe. Non, Non, elle se t'as stocke devant. les Si tu le dis. munitions donc à l'arrière de la tourelle de l'autoloader, et les premières munitions à être virées, c'est celles qui sont à droite et à gauche au niveau de la tourelle. Les dernières restantes, elles sont à l'avant au niveau du pilote. Ok, d'accord, bah si tu le dis. Ok, donc voilà, donc je vous conseille clairement de tirer soit au niveau du crochet, soit au-dessus. Alors, pour ce qui est Après, du... moi je l'ai pas l'IS-7, mais si tu prends en comparaison l'IS-3, les munitions elles sont à côté et tu tapes la plaque de blindage qui est sur le côté là. Ouais, mais c'est pas grave. Enfin, après l'IS-3, je ferai une autre vidéo, mais c'est pas Non, non, mais c'est juste en comparaison. grave. Ok. Ok, donc Tu on le va vois dans passer... le game. On va juste passer au blindage de flanc. Alors le blindage de flanc, vous évitez de tirer dans la tourelle si vous avez un obus rigide, hein, c'est pareil, parce que sur le flanc, bah, vous montez facilement à 300 mm par endroit. Minimum 240 mm, sauf sur le bas, mais voilà. C'est pour ça qu'avec même avec un IS-7, ne tirez pas dans la tourelle en fait. Si vous avez un IS-7 et un mec avec une tourelle de flanc, vous tirez vraiment sur le bas de la tourelle, parce que sinon ça va pas rentrer en fait, ça va bounce ici là. À partir d'ici, après vous allez plus rentrer, votre obus il va plus passer, et puis ça va vous niquer et vous allez être triste. Ah, tirer les obus, les munitions, ça one shot. Ouais. Alors, de flanc, pareil, vous tirez pas la partie supérieure, vous tirez surtout pas là, là. Vous tirez pas l'acier de construction, parce que c'est beaucoup trop troll moons, en fait. Derrière, vous avez du gros blindage. On croirait pas, mais en fait, derrière l'acier de construction, vous avez du blindage. Ce que je vous conseille de faire, c'est tirer entre les chenilles. Genre, tirer sous l'armature du char, là, sous la partie supérieure du châssis. Tirer entre les galets de chenilles, ou au-dessus des chenilles, en fait. Ici, ça va rentrer comme dans du beurre, et vous allez one-shot à tous les coups, parce qu'en fait, toutes les munitions sont stockées. Donc, là, que vous tiriez mal ou bien, bah, dans tous les cas, vous allez one-shot. Donc, je vous conseille clairement de tirer entre les galets de chenilles, même de flanc. Même incliné, ça passe plutôt bien, vous voyez, regardez, 140 mm, hein, c'est un des problèmes des charrues d'ailleurs, hein, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de millimétrage quand ils sont inclinés. Donc ça passe plutôt bien. À l'arrière de la tourelle, je vous conseille, alors si vous avez un IS-7 et qu'à l'arrière de la tourelle il est à découvert, l'arrière de la tourelle vous le tirez direct. Hein. Vous avez les munitions dans l'autoloader, ça va tout péter, ça va faire feu d'artifice votre char. Donc vous tirez même pas le moteur, vous réfléchissez pas, vous voyez une arrière de tourelle d'IS-7, boum, vous one-shottez, vous tirez dedans. Ça fait comme le type 90. Type 90 c'est la même chose. Il y a les munitions à l'arrière, vous tirez dedans, pouf, ça explose. Il n'y a plus personne. Voilà. Donc Il n'y je a pas un pense. atelier sécurisé, le type 90? Non. Enfin non. Quand tu tires dans les munitions, ça fait péter les munitions. Là, je crois que il me semble qu'il a un râtelier sécurisé, mais même comme ça fait exploser les munitions en fait. Ah, Parce que faut bah, pas que ça perfore le... le truc c'est que Ouais. t'en as tellement des munitions à l'arrière du type 90 que même chaussure et râtelier sécurisé IRL ça explose. C'est obligé. Non, c'est pas ça, c'est que en fait il faut pas c'est Gadjin qui avait annoncé ça. Faut pas qu'il y ait de trous dans la partie interne du blindage. Ok, Si d'accord. tu Ouais, fermes je ta vois ce que fente tu veux dire. arrière, ton obus transperce la protection et du coup la protection est plus active. Par contre, si tu es à moitié de flanc et puis que tu chopes une munition sur le côté et que tu fais pas de trou dans la partie interne du caisson, et ben en fait l'équipage là il sera protégé. Ok. Donc voilà, donc c'était tout pour la partie présentation donc théorique de l'IS-7. Je vais couper la vidéo là. Donc elle sera en deux parties la vidéo. Donc ça sera la première partie. Et la deuxième partie, donc ça sera le gameplay pour ceux qui veulent voir. Je vais essayer de montrer un peu de gameplay quand même. Et puis voilà. Donc sur ce, j'espère que ce petit morceau de vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve dans un instant donc pour la deuxième vidéo qui sortira dans la foulée sur la partie gameplay. A tout de suite.